spaghettis. Pour ça? Papa! Tu le pires de la maison! Dès ma team shape, j'espère que vous allez bien. C'est Timothy, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, je suis en compagnie de mademoiselle Gigi Fit 4. On l'applaudit. La mademoiselle, bientôt madame. Non, je dis quoi, ça ne t'enflamme pas non plus, hein. Ah, ok. Pourquoi un costard? Pourquoi une robe? Tout simplement parce que c'est là. Saint-Valentin! Et qui dit Saint-Valentin dit. Et qui dit Saint-Valentin dit amour. Dédicace à tous les célibataires qui vont regarder la vidéo. On ira à la muscu ensemble, vous inquiétez pas. Non, il sera avec moi, Saint-Valentin. Donc aujourd'hui les gens, on est quelques jours avant la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin dit il faut que vous impressionnez votre petite ou votre petit. Et comment l'impressionner? Tout simplement en lui cuisinant un bon petit repas. Mais un repas diète, bien évidemment. C'est pourquoi aujourd'hui, devant vos yeux ébahis, devant vos pouces bleus aguerris. J'ai eu mon bac. Donc aujourd'hui les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cuisiner un repas rapide, simple, efficace et diététique et protéiné pour impressionner votre petite ou votre petit pour la Saint-Valentin. Et ce repas va être composé d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, comme si vous étiez au resto. Donc en entrée, cuistot Juju, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous déguster? En entrée, on va partir sur une recette espagnole, c'est les brusquetas, espagnoles qu'on retrouve en Espagne ou en Italie. Les fameuses brusquetas, voilà. Que personne connaît, parce que personne connaît les brusquetas. N'importe quoi, tout le monde connaît ça, c'est trop bon. Alors en fait, c'est des petits toasts de pain que vous pouvez garnir un petit peu comme vous voulez. Donc si vous la faites à l'italienne ou à l'espagnole, ça aura des saveurs bien spécifiques au pays. Mais nous, on va faire une petite revisite à la façon Juju Fit 4. Ok, voilà. On prend le risque. Si la vidéo sort pas, c'est que je suis mort. N'importe quoi, il y a zéro risque. Et en plus, franchement les gars, si vous savez pas cuisiner, je vous promets, il n'y a rien de plus simple. Foutre du pain dans un grille-pain et étaler du fromage dessus, concrètement là. Exactement les gens, aujourd'hui on a choisi un repas très très simple à faire. Car si vous êtes comme moi, c'est-à-dire pas très doué en cuisine, voilà. Vous devrez vous en sortir et votre petite sera contente et impressionnée. Voilà, le but, je me suis basée sur les capacités de Thibaut. Donc comme j'estime que vous avez tous des capacités au-dessus et que j'ai tapé vraiment dans le bas du panier, normalement vous êtes tous capables de reproduire les recettes. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de pain aux fruits séchés, de fromage de brebis, de tranches de noix de bœuf. Oups. Des noix. De miel sorti directement du cul d'une abeille. De la salade. De figues séchées. De l'huile d'olive pour les bons liquides. Et de jus de citron. Première étape, l'entrée. On va prendre nos petites tranches de pain aux céréales avec plein de petits fruits séchés à l'intérieur, c'est super bon. Je peux vous dire qu'il trouve ça très très bon vu qu'il tape dedans à peu près toutes les 5 minutes. J'ai découvert le pain aux céréales chez Juju et j'en mange tout le temps, c'est trop bon. Et tu vas les mettre dans le grille-pain. Alors donc, ça je sais faire. Alors. Et maintenant, tu grilles. Mais t'as des biceps ou t'as pas de biceps? Attends. Ah, d'accord. Ah, voilà. Maintenant que ça, c'est en train de griller, on va préparer la vinaigrette pour la petite salade. Ok. Donc, tu vas prendre de l'huile d'olive. Tu vas venir mettre l'huile d'olive, voilà. Donc, une cuillère entière. T'en mets même deux. Oh, deux cuillères d'huile. Ah, on ne lésigne pas sur les lipides. Hein. Première cuillère. Voilà. Et deuxième cuillère. Oui. On prend le miel, une demi-cuillère à café de miel dans le bol. Un demi, comme la bière. Ouais, là ça va faire beaucoup de miel quand même, ça va être sucré. Là il y a les parents du jus qui arrivent et qui passent discrètement derrière la caméra. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, et vous les jeunes? Très bien, on travaille, on travaille. Si y a des parents qui sont là, je vais peut-être me calmer un petit peu moi, non? Mais non! Mais comme s'il n'était pas là. Bon les gens, je vais être plus calme dans cette vidéo. Ok, le miel en est bon. J'ai même vu que t'avais léché la cuillère, c'est que ça. J'ai beaucoup léché. Oh putain, non, c'est vrai. Donc du coup tu vas installer les petites tartines dans les assiettes pour l'instant et elles vont attendre ici. Tu prends le jus de citron, tu vas venir en mettre une cuillère à soupe, tu vises la cuillère, tu... Et voilà une belle cuillère de citron. Du coup là on a une petite vinaigrette sucrée à base de miel, citron et huile d'olive. Et franchement ça va être super bon. Bracelet disponible sur mon site internet. Donc ensuite qu'est-ce qu'on fait? Une fois que ça c'est bon, tu prends le sel et le poivre et tu viens un petit peu assaisonner la vinaigrette. Donc là tu prends le sel, non ça marchera pas. Ça marche, t'as vu? Faut que tu tournes comme ça. Tu sais comme dans les grands restaurants là, quand tu mets au-dessus des plats et wow. Ouais. Wow, mais tu vas faire wow en même temps. Ouais. Wow. Wow. Les apparences, ça c'est trop bien. Voilà. Ensuite tu prends les herbes de Provence et t'en ajoutes un petit peu. Voilà, super. Donc là, on touille, on touille, on touille. On va prendre le fromage de chèvre, le brebis, pardon. Tu vas venir tartiner sur les tranches de pain. Un peu de chèvre, non? Ouais, un peu de chèvre. Ouais, voilà. Et donc en fait ça c'est pour toi et ça c'est pour la petite quoi. Et voilà, et là c'est pour toi, Juju. Ok.
tu partages bien. On tartine. On tartine, on y va. Je peux y aller encore, hein. En fait, tu tartines trop. Chouchou, c'est pas comme ça. Mais chouchou. Des petits trucs comme ça. Des pâtés, quoi, comme le foie gras. Oui, voilà. D'accord. La petite qui sera avec vous a intérêt à aimer le chèvre. Ça fait enneiger. Oh, ça fait plein de neige, exactement. Exactement. Et là, du coup, avec les skis. Oh. Tu vas venir mettre maintenant par-dessus un petit peu de noix de bœuf et t'essayes de les chiffonner. Attends, de les chiffonner. Oui, en fait, tu vas pas venir les mettre à plat comme ça, c'est pas joli. Tu vas un petit peu, tu vois, faire des espèces de petites. Les plier. Voilà, les plier un peu. On les chiffonne. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus mignon. Ouais, c'est pas mal. Il y a de l'idée, mais non, mais tu la déchires pas. Oh, mais nous. Oh. Bon, écoute, la manche parce qu'elle est cassée. Oui, voilà. Mmh. On va ajouter dessus nos petites figues. Donc les figues, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on enlève la queue. On continue à couper les petits bouts de figues qu'on dispose un peu aléatoirement. Voilà, et c'est plus qu'aléatoire avec Thibaut parce qu'en fait il les dépose partout sauf sur la tartine. Donc ensuite on prend les feuilles de salade qu'on a lavées, on vient les mettre dans l'assiette. Si vous chopez pas la Saint-Valentin, c'est grâce à nous. Ah bah là j'espère qu'ils vont nous remercier, hein. Tu viens prendre la vinaigrette, tu en mets sur les deux assiettes au niveau de la salade. Que sur la salade, que sur la salade. Voilà. Après tu peux en mettre un petit peu s'il en reste aussi sur les tartines, ça peut donner un petit goût très très bon. Il y a un peu sur les tartines alors. Et voilà, tu mets la fin un petit peu sur les tartines légèrement. Et maintenant tu vas prendre des petites noix et tu les casses et tu viens les mettre sur la salade. Là les gens, c'est la folie. En plus ça se fait trop rapidement, ça nous a pris quoi, 10 minutes. Et voilà, et là on a une super entrée qui est prête. Regardez-moi ça les gens. On valide l'entrée. On valide. Regardez les gens, son petit lapin. Il a pas l'air super heureux que tu le prennes. Oh bon, je vais te laisser tranquille alors. Maintenant Juju, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant on va passer au plat. Oui. Donc là pour le plat, on va faire des spaghettis complètes. Oh. Avec du poulet. Oh. Coco. Oh. On va faire des spaghettis complètes avec son poulet coco curry cajou. Et là c'est pareil les gars, si vous savez pas faire chauffer des pâtes, moi je peux plus rien pour vous. Pour cette recette, vous aurez besoin de spaghettis complètes, de poulet, de crème de coco, noix de cajou, d'huile de noix de coco, du curry. Donc là on a l'eau qui est en train de bouillir. En attendant on va commencer à préparer notre poulet coco curry cajou. Alors tu vas prendre de l'huile de noix de coco. Bam. Bam. Oh putain. On va prendre plusieurs bons filets de poulet. Comme ça? Ouais, bon morceau, tu fais attention à tes doigts, hein. Oh, c'est bon, j'en ai 10. Et maintenant tu viens mettre le poulet dans la poêle. Secours, il m'envoie de l'huile dessus, ça pique. On prend notre petite crème de coco. C'est quoi ça? C'est de la béchamel? C'est de la crème de coco, mais là en fait elle est pas secouée, il faut la secouer. Attends, 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 referme-la et secoue-la. Mais qu'est-ce que tu fais Thibaut? On secoue la noix de coco. Ah bah non, mais en fait, il se passe rien. Oh bah merci. C'est de l'eau ton truc, c'est même pas blanc. Je pense que tu secoues pas bien. Vas-y, secoue. Oh. Et là si c'est encore de l'eau, moi je comprends plus. C'est de l'eau, il y a des morceaux. Mais oui, c'est très bizarre, hein. Regardez de la crème. Elle est belle ta crème. Ensuite tu vas prendre les pâtes et là t'en mets la quantité que tu veux. Moi j'aime bien les pâtes et j'ai très faim. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut pas manger beaucoup, hein. Ah bah ça t'inciterait à faire du cardio après. Et après il ose me dire, oui tu sais le repas de Saint-Valentin. Mais non. Oh, oh malheur. Qu'est-ce qu'il y a? Il a failli couper des spaghettis. Ah mais tu sais qu'on peut aller 20 ans en prison pour ça, hein. On ne coupe pas des spaghettis. Pour ça? Mais sinon ça va pas en entier. Mais non mais tu dis, mais je dois t'attendre que ça fasse. Oui mais si on met les spaghettis en bas qui cuit et en cuit bas, mais ça va être d'un côté non, mais c'est pas grave, plus cru que l'autre. C'est Saint-Valentin, ça va être la meilleure de ma vie, hein, moi je vous le dis. Bah vas-y maintenant, mets ça, de toute façon c'est raté la recette, hein, raté pour rater, voilà. Vous avez dit vous ferez forcément mieux que lui, donc vous allez forcément impressionner votre petite. Ah moi je suis pas impressionnée là, je vous le dis. Mais moi j'attends. En vrai ça va pas des petites spaghettis aussi, regarde. Surtout de choupi. Ça n'existe pas. Les petites spaghettis choupi. En français là. Mais non, sinon on va pas les remettre là-dedans maintenant, mes parents. Non. Madame n'est pas contente. On prend le deuxième paquet qu'on a mis sur le côté. Voilà. Ah c'est bien. Ah ça cuit facilement maintenant, hein. Montre aux abonnés comme quoi ça cuit vite maintenant. Ça t'affaisse quand? Ça t'affaissera. Ah bah ça t'affaisse pas trop quand même. Là, tu vois, petit à petit ça t'affaisse. Ah bah oui, la musique t'appuie dessus. Mais c'est ce qu'il faut faire. Qui c'est qui cuisine de nous deux? Je regardais, je leur bouchon donc les petits, je regardais Maïté aussi. Oui bah apparemment ça t'a pas trop fait d'effet, hein. Eh ben non. Tu vois, en quelques minutes, ça s'est affaissé. Et maintenant c'est génial parce que grâce à toi, bah voilà, tu mes parents auront des spaghettis coupés pour le repas. Je sais pas si après ça tu seras là le week-end prochain, mais je te dis. Ça ferait économiser un cadeau. Là, c'est donc ça. Le week-end prochain, c'est l'anniversaire de Justine. Maintenant, tu prends le curry et là, yolo sur le curry. Curry, curry. Non, non. Tu m'as dit. Non, je n'ai pas. Mais yolo, yolo, ça voulait. Est-ce que j'ai pas dit dans la recette? Du poulet au coco et au curry. Du coup, yolo sur le curry. Yolo sur le curry, mais sur le curry sur le poulet. Da, 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 da. Donc là, le curry, c'est vraiment vous en fonction de vos goûts en fait. Hein. Si vous aimez ça, que vous adorez ça, mais t'en mets sur ma main là. Ah. Lèche.
Alors les petites cajoux, tu vas venir les couper un petit peu. Puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ah, j'ai mal. Ouais, t'as rien cassé en plus, hein. Puissance, puissance. Tac, tac, tac. Et maintenant, tu prends les petits morceaux de noix de cajou et tu vas les mettre dans le poulet. Ok. Non. Ah, j'ai fait exprès, voyons. Donc là, tu peux venir sentir l'odeur. Waouh. Ça sent bon, hein? Non. Si, 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 ah. si. Je pense que les pâtes vont être prêtes. Donc, on va venir égoutter les pâtes. Là, tu prends ça et tu viens égoutter les pâtes. Et voilà. Et ensuite, tu les remets dans la casserole. La casserole de madame. On prend deux belles assiettes. Est-ce que je mélange ça là-dedans alors? Non, 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 non. On va faire une jolie présentation. Donc là, c'est ton assiette. Bon appétit. Ah. Ça, c'est la mienne. Ah oui. Voilà. Pour que ce soit joli, pas que ça déborde de partout, tu prends ça et tu viens le poser délicatement sur le milieu. Oh. Oh là là, c'est délicieux. Donc Juju, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on passe au dessert. Et qui dit Saint-Valentin dit Pourquoi tu dis Saint-Valentin? Donc chocolat bien évidemment. Chocolat. Oui, rouge. Parce que le rouge c'est la couleur de... Règle. Que j'ai actuellement. Ah c'est content. On va faire quelque chose d'assez simple mais de très très bon. Des brochettes de fruits. Et on va les tremper dans du chocolat fondu. Ok, donc vous aurez besoin pour cette recette de fruits rouges, de bananes, de chocolat noir, de cure-dents. Donc pour ça, la banane. Que faisons-nous? Et donc là, et ben, tu vas faire comment? On va couper les petites rondelles de banane. Tac, tac, ok. Maintenant, on prend les fruits rouges et on va faire des petites brochettes. Tu vois, donc tu viens prendre un bout de banane, tu l'enfonces. Ensuite, tu prends une framboise et une petite mûre. Et du coup, ça, on peut le faire avec tous les fruits qu'on veut. On a choisi ceux-là, mais franchement, c'est en fonction des goûts des pommes, des poires. Elle est pas belle cette brochette de fruits? C'est ouf. En vrai, c'est trop stylé. Bah oui, c'est trop stylé. Et après, tu la mets dans la petite assiette et t'enchaînes comme ça. Trop stylé. La dernière étape, faire fondre le chocolat. Faire fondre le chocolat. Il suffit de le mettre au micro-ondes. Il suffit de le mettre au micro-ondes. Là. Au micro-ondes. Voilà. Peut-être tu vas aller le montrer. C'est pas merveilleux? Ok les gens, le moment décisif de la vidéo là. Dégustation. Et c'est surtout on va voir si la petite a impressionné le petit dans mon cas. On commence par l'entrée. Oh, il met sa veste de costume dans le poulet cajou. Oh, cette bouchée. Merci. Bon bah papa, maman, vous aurez pas à manger ce soir. Merci. Alors, note? Alors, en vrai, je mettrais bien un bon 8, hein. Bon 8 sur 10. Oh, qu'est-ce qu'il aurait manqué pour que ça fasse 10? De l'amabilité. Oh, parce que je suis pas aimable. Un peu de calme. Non, mais tu mets tout ton costume dans les plats. Oh, en vrai, la tartine en elle-même, elle est déjà très bonne. Mais avec la petite sauce par-dessus, ça rajoute un truc. Bon, je crois qu'on peut valider que monsieur a adoré l'entrée. Prochain. J'ai trop l'impression d'être jugé. Ça, c'est bon. Là, je pense que tu peux mélanger un petit peu. Pour que la sauce aille partout. Oui, mais c'est parce qu'on l'a laissé longtemps. Alors, présentation. Moi, je trouve que ça manque de basilic, de vert. Ouais. Il note un bon point. On peut rajouter pour donner un peu de couleur. Parce que c'est vrai que du coup, c'est très jaune entre les pâtes et le curry. Pour rajouter de la couleur, on peut mettre des petites herbes. Basilic. De la bœuf. Alors, le mieux, c'est que tu prennes un bout de poulet avec un peu de pâte et un peu de noix de cajou. J'ai du mal à choper de noix de cajou. Au pire, je te la mets dans la bouche. Ah, putain. Aïe. Si j'avais rassuré, c'était très bon. Alors, excellent. Give me 5. Un bon 5 sur 10. Oh, give me rien du tout. T'as dit give me 5. Give me double 5. 10 sur 10. Ah, voilà. Le dessert maintenant, je trempe. On trempe la biscotte. Et là, hop, et tu prends la brochette. Waouh. En même temps, c'est du chocolat et des fruits. Et s'il reste du chocolat à la fin, vous pouvez l'étaler sur le corps de votre partenaire. Et voilà. Ah, t'es dedans. Qu'est-ce qu'elles ont les dents? Point positif du dessert, c'est que c'est délicieux. Mais pour choper après, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et voilà les gens, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On espère sincèrement que ce soir vous allez choper de la petite. Ou garder la vôtre. Taguez-nous sur Instagram, Thibaut InShape et JujuPitCat si vous reproduisez cette recette. Et surtout, pensez tout particulière aux célibataires qui vont voir cette vidéo. On pense fort à vous. Et rien n'empêche que vous aussi vous fassiez la même recette. Pour impressionner votre maman. Ou votre future petite. Même tout seul, vous pouvez être heureux. Alors n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Et bon appétit bien sûr. Aujourd'hui les gens, on va se mettre à la place d'une personne en fauteuil roulant.